Monsieur Ali Bey Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors nous allons parler des exportations hors hydrocarbures, nous allons nous projeter vers l'avenir avec le prochain gouvernement. Les exportations hors hydrocarbures qui sont devenues aujourd'hui une obligation, une exigence économique, le prochain gouvernement devra classer les exportations comme activité prioritaire au même titre que la santé, l'agriculture, les secteurs stratégiques, monsieur Ali Bey Nasri. Absolument, je pense que c'est le moment ou jamais, de changer le logiciel, notamment de gouvernance, concernant l'approche donc, des pouvoirs publics sur l'exportation. Il est clair que maintenant, compte tenu de la situation qui existe et compte tenu des défis qui se projettent vers nous, notamment quand on voit donc, les réserves de change et leur fonte d'une manière systématique sur le déficit de la balance commerciale depuis 6 ans, nous impose de voir l'exportation autrement. Autrement, c'est quoi ? S'agissant des fonctions transversales, c'est d'abord une volonté politique très forte, exprimée, impulsée par le président de la République. Nous sommes convaincus maintenant que l'expérience jusqu'à aujourd'hui n'a pas porté ses fruits. N'a pas porté ses fruits parce que c'est la fonction exportation, elle est diluée entre certains ministères, c'est une fonction transversale et où il n'y a pas un chef de file, quelqu'un qui est dans les instructions qui doivent être appliquées. Alors, fonction transversale, faut-il créer un ministère dédié à l'exportation sous tutelle de la présidence de la République ou du président de la République, comme cela est le cas en Chine, en Malaisie, en Turquie, en Corée du Sud, qui ont réussi, bien sûr, leur acte d'exportation en moins de 10 ans. Ils ont quand même atteint des montants records, comme c'est le cas, par exemple, en Turquie, où c'est l'équivalent de 40 milliards de dollars, la présidence de la République, parce que c'est des prérogatives du président l'exportation, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une activité transversale où il y a implication aussi des États. Et c'est le président qui est garant de la politique extérieure du pays. Oui, c'est le président de la République, mais il est aussi, à mon sens, donc, le président des exportateurs. C'est-à-dire dans le sens où c'est lui qui doit donc imprimer. On a vu son discours du 18 août. Je reviens toujours, pour moi, qui est une date fondatrice, donc de la volonté des pouvoirs publics. Il l'a exprimé fortement. Il l'a très bien exprimé, il l'a exprimé fortement, mais le constat actuel nous impose de voir les choses, c'est-à-dire l'action conduite autrement. L'activité d'exportation, qui, je pense que tout le monde est conscient là-dessus, c'est que c'est devenu une nécessité, compte tenu justement de leur faiblesse, compte tenu des énormes difficultés, compte tenu de la rigidité des acteurs concernés par l'acte d'exportation à tous les niveaux, et notamment celle que je cite souvent, qui est la réglementation d'échange. Cette volonté, donc, doit être exprimée par le premier responsable du pays, pourquoi pas un conseiller de l'export auprès d'une présidente de la République, chargé de conduire l'équipe gouvernementale sur cette activité-là, un ministère de l'exportation, du commerce extérieur de manière générale, mais de l'exportation, tout simplement, il s'agit de remonter une pente très, très, très ardue actuellement, parce que nous sommes cette année sur une trajectoire positive, c'est le fait des exportateurs. Si on examine les avancées palpables sur le terrain, notamment en matière de réglementation d'échange, en matière de logistique, les problèmes sont tellement importants qu'il faut d'abord tirer chapeau aux entreprises exportatrices avec toutes les difficultés. Donc, cette nécessité nous amène donc à faire revenir le ministère du Commerce de l'exportation, pourquoi pas, et le loger donc à un très haut niveau, un niveau décisionnel, c'est-à-dire qu'il ne faut plus dépendre, parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Le ministère du Commerce saisit l'EPM, l'EPM c'est le SGG, la centralisation, il n'y a pas une conscience réelle sur ce défi de l'exportation. Il n'y a pas une conscience, pourquoi? Parce que le SGG, c'est tous les problèmes de l'Algérie qui sont traités à ce niveau-là, et l'exportation, je regrette de le dire, elle n'est pas traitée en première priorité.
Alors nous sommes dans une trajectoire positive. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à la volonté exprimée fortement par le président de la République au mois d'août dernier, où il a considéré que ça devait être une activité stratégique avec bien sûr des objectifs à atteindre, savoir les 5 milliards de dollars d'exportation avant la fin de l'année. On a dépassé la barre des 2 milliards ? Cette année ? Pour cette année, nous avons clôturé de manière très positive. Si je prends donc les derniers chiffres, c'est 1 milliard 140 millions de dollars. C'est extrêmement positif pour nous parce que... En situation de crise en plus. En situation de crise, ça c'est dû d'une part, c'est concernant donc les filières émergentes. Nous avons certains produits qui émergent sur le marché international et c'est ces produits-là qui ont fait remonter donc la valeur des exportations. Ça c'est d'une part. Donc l'atteinte des objectifs de 4 milliards de dollars seront, à mon avis, donc atteints au moins à 90% cette année. C'est pour la première fois que l'Algérie va dépasser cette barre mythique de 3 milliards de dollars. Dont on parle depuis 2007. L'objectif de 3 milliards de dollars, c'était en 2007. Oui, absolument. Mais c'est le fait, il faut revenir toujours à ça, si les exportateurs font des efforts, les institutions en charge de l'acte d'exportation ne le font pas. Donc si c'est maintenant que l'accompagnement étatique doit être puissant pour accompagner ce mouvement. Alors le potentiel exportable est important, monsieur Ali Bey Nasri. On est vraiment dans les produits hors hydrocarbures et non pas les dérivés d'hydrocarbures. Malheureusement, la situation actuelle nous impose justement de voir la réalité des chiffres. Sur les 1 milliard 140 millions, c'est 40% de... Pour les trois premiers mois de l'année, hein. Nous avons un chiffre donc concernant le premier trimestre. Il y a des chiffres qui ont été annoncés par le ministère des Finances, le communiqué, mais on nous en parle, on nous a dit qu'il y a une augmentation de 81%, mais ce n'est pas étayé dans le détail. Mais est-ce qu'il faut dire? Parce que le CNIS a été fermé, oui. Oui, mais on a ça, c'est ce qu'on déplore, parce qu'on faisait des analyses sur la base justement des informations fournies par le CNIS. Malheureusement, ce n'est que mois de juin qu'on a eu le résultat de l'année 2020. Vous voyez tout ce retard. Au moment où on parle de digital, de numérique, d'instantané, c'est pas normal qu'on mette 6 mois pour publier les statistiques de 2020. C'est pas la pratique au niveau international. Mais le potentiel exportable aujourd'hui est important, monsieur Ali Bey Nasri, par rapport à la question que je vous ai posée. Le potentiel, je suis de ceux qui pensent que le potentiel est à construire. Parce que si on examine l'évolution des exportations en Algérie depuis 20 ans, ils sont intimement liés aux investissements. Si je parle de cette augmentation actuelle, elle est due aux produits émergents, notamment le ciment, les produits sidérurgiques, les pneumatiques. Donc ça, la première fois, nous étions à zéro exportation en 2018 dans le ciment. Nous avons clôturé 2020 à près de 2 millions de tonnes. Les perspectives pour 2021 sont de 5 millions de tonnes. C'est un produit émergent issu d'un surinvestissement dans le ciment. Le produit sidérurgique, nous avons clôturé après 60 millions de dollars. Les perspectives annoncées par cette entreprise sont énormes. Il y a un chiffre qui a été cité qui me paraît gigantesque. Hein. Donc ça permet automatiquement l'accès au marché extérieur quand une entreprise s'investit et investit en fonction d'une demande mondiale et qui a la taille critique pour le faire. Nous sommes dans les pneumatiques, c'est un investissement nouveau. Il y a tout de suite donc l'accès au marché externe. On peut le développer. On peut donc faciliter, il faut que l'État facilite justement l'activité d'exportation auprès de tous les opérateurs qui sont en train d'émerger. Maintenant, je suis de ceux aussi qui croient que le potentiel export, il faut le créer avec des investissements nouveaux par rapport à une demande. Il faut choisir des produits, bien sûr, à fort contenu technologique, ça c'est clair, et là où il y a la valeur ajoutée la plus importante. Mais l'investissement, maintenant, on doit axer des réserves de change, mais en tout cas, toutes les 43 milliards de dollars qu'il y avait à fin 2020 doivent être consacrés justement à la progression des recettes en devises. Il faut que chaque milliard qui sera investi doit obligatoirement avoir un pendant en matière de recettes de devises, parce qu'il faut
conserver ou au moins utiliser ce qui existe pour justement capter et aller vers le, les exportations. Mais ici, on a donné par exemple des exemples de pays qui ont réussi en moins de 20 ans l'acte d'exportation. Ils sont devenus de grands exportateurs. Ils ont investi pratiquement tous les États et tous les pays. On voit la guerre qui se produit actuellement entre la Chine et les États-Unis. C'est par rapport à l'exportation et les produits chinois qui ont investi le monde. On le voit aussi dans le Moyen-Orient et les pays arabes et les pays asiatiques et également en Afrique, la Turquie également. On parle de l'Indonésie dont les produits sont extrêmement sollicité, la Corée également. Est-ce que cela veut dire que quelque part c'est l'État qui doit soutenir financièrement tout l'acte d'exportation? Parce que le plus important c'est de rapporter les devises, absolument, la monnaie forte. Aider les entreprises sur, Le plan financier, faut-il revoir le fonctionnement du fonds de l'exportation, monsieur Ali Beynas? Je pense qu'il y a une révision à ce sujet-là au niveau du ministère du Commerce. Je pense que ça va aller dans le sens justement de l'aide un peu plus accentuée pour les exportateurs, mais ce dont on a besoin, c'est d'abord de faciliter l'acte d'exportation actuel. Il n'est pas facile. Nous avons actuellement des contraintes. La réglementation de change. Pourtant, il y a eu un communiqué de la Banque d'Algérie qui parlait de facilitation, monsieur Ali Beynasri. Mais on est toujours... Le drame chez nous, c'est justement entre la communication et l'action. Le temps passe et le temps nous est compté. Le 28 avril, un communiqué de la Banque d'Algérie nous a annoncé qu'il y a donc une avancée très importante en matière donc de recettes de devises de rétrocession. Depuis le 28 avril à ce jour, ça renvoie une instruction et ça ne s'est jamais vu dans les annales de la Banque d'Algérie. Généralement, quand il y a un règlement, les instructions, c'est 10 jours max après. Nous sommes, depuis le 28 avril à ce jour, il n'y a rien eu. Alors, quelle est cette incapacité, ou plutôt, quelle est cette hantise à voir favorablement cette partie de recette de devise? Je crois qu'il y a un problème de syndrome de la devise au niveau de la Banque d'Algérie qui nous empêche d'avancer, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce qu'on a vécu pendant toutes ces années, ces 20 dernières années, on a plus facilité l'acte d'importation que celui de l'exportation, au détriment bien sûr de l'économie, parce qu'en important, on fait fonctionner les entreprises étrangères au détriment des nôtres. Oui. C'est ça la logique qui prévaut actuellement, M. Ali Beynas? Bien sûr, parce que si on examine l'évolution des importations par rapport aux exportations, il n'y a pas photo. On a multiplié par 3 les exportations depuis 2000, mais on a multiplié par 10 les importations. On est arrivé à un pic de 60 milliards de dollars. Donc il est clair que maintenant, on ne revient plus sur le passé, l'importation était facile et tout le monde s'est intéressé. On a demandé qu'il y ait les mêmes avantages à l'exportation pour aller vers l'exportation. Ça n'a pas été fait. Et je reviens toujours à l'État en matière de facilitation de l'exportation. Le problème essentiel réside dans la réactivité. Quand un exportateur ou des exportateurs ont des problèmes, il n'y a pas de réactivité en matière de réponse effective. Il y a effectivement une réactivité en matière, on a pris en charge, mais la prise en charge, l'action sur sa matérialisation sur le terrain, n'y est pas. Mais quand vous parlez de l'accès au marché extérieur, on a vu les Libyens récemment venir en Algérie très intéressés par les produits algériens. Ils souhaiteraient même que des entreprises algériennes puissent s'installer en Libye de telle sorte à produire les produits algériens en Libye. C'est possible, monsieur Ali Beynasri, avec la réglementation existante actuellement qui ne donne une dérogation que pratiquement aux grandes entreprises, notamment Sonatrach? Il est clair. Nous avons un problème psychologique avec la devise et avec les entreprises algériennes. Les textes. Il faut libérer les entreprises, permettre l'externalisation. Le problème, c'est un problème mental. C'est-à-dire que l'exportation des Algériens, l'investissement, l'internationalisation est pour eux considéré comme un acte suspect. Donc, c'est justement quand je parle. Parce que quelqu'un a fauté, pourquoi psychologique? Parce que quand on examine les textes de la Banque d'Algérie, qui n'ont pas bougé depuis 2007, le monde a changé depuis 2007. Il n'y a pas une mise à plat. On nous a pas réunis, on a fait des propositions pour changer des articles. Rien n'a été fait et on continue, donc avec des œillères, à foncer, à constater la fonte des réserves de change qui ont donc 132 milliards, tout le monde le sait, donc qui ont disparu. Qui ont disparu, c'est-à-dire qui ont été consommés depuis fin 2014. On est là, on fait le constat, l'exportateur c'est un suspect,
il faut le contrôler, il faut le verrouiller, le suivre pas à pas. Quand on sait maintenant, quand on reçoit de l'argent avant domiciliation, c'est une infraction. Ça, c'est inim. Ça montre tout le degré de suspicion qu'ont les responsables d'Allemagne de l'Algérie envers les exportateurs. Alors, M. Ali Benassri, on se projette bien sûr vers le prochain gouvernement qui aura une tâche extrêmement difficile dans le contexte du renouveau pour le changement du modèle de gouvernance, l'exportation comme axe et activité prioritaire aujourd'hui, puisqu'elle est génératrice de richesses et à la fois de devises dont nous avons extrêmement besoin actuellement, puisque nous sommes dépendants par rapport à nos exportations à 98% des hydrocarbures et des fluctuations des marchés mondiaux. Alors, les exportations, on a parlé de l'externalisation des entreprises algériennes, une banque. Oui. C'est important aujourd'hui. On a demandé, le président a donné des orientations pour qu'il y ait une externalisation de la banque vers l'international pour accompagner les opérateurs algériens, qu'elle soit installée en Afrique. Or que là, la destination a changé, visiblement c'est la France. Ou c'est plus le cas, M. Ali Benassri? Non, je pense que le président de la République, en disant que c'est l'Afrique, et c'est clair qu'il a visé le continent pour lequel donc nous sommes naturellement disposés. Parce que notre argent transite par les banques étrangères. Il faut, justement, c'est ce déphasage des gens en charge qui ont cette responsabilité de la réglementation d'échange. Ce n'est pas un terrain vierge. Quand on examine les pays concurrents, qui se situent donc dans la région MENA, ils sont déjà présents. Ils ont acheté des parts dans certaines banques. Ils disposent. Certains pays, je suis très pessimiste quant à l'accès des produits algériens parce qu'ils ont absolument même mise sur la finance. Quand vous avez un pays concurrent sur un pays où il dispose de la finance, il est clair qu'il va mettre tous les bâtons donc, pour empêcher les produits algériens. Il faut aller. Pourquoi une banque? Pourquoi pas un consortium? Pourquoi pas rentrer et acheter des actions? Pourquoi pas, je réfléchis autrement, pourquoi pas les Tunisiens qui sont déjà impliqués en Afrique? On a besoin, on a certaines complémentarités, c'est-à-dire que nous avons une synergie qu'on peut développer avec nos voisins tunisiens qui sont très forts dans certains marchés. Pourquoi pas ne pas envisager une JV entre une banque algérienne et une banque tunisienne pour aller ensemble en Afrique? On a besoin d'en. Il y a une banque algérienne libyenne également. Il y a une banque. Installée en France. Installée en France, installée en Suisse. Mais ce n'est plus cette vision ancienne. C'est maintenant aller prendre des parts de marché dans des banques. Il faut éviter cette vision d'aller une seule banque qui va là-bas. Ce n'est pas possible. Il faut aller donc investir pour connaître les réseaux, prendre donc des parts. Donc des actions dans des banques qui sont déjà présentes, qui disposent donc d'un portefeuille client, qui ont des agences, puisqu'il ne s'agit pas de tout créer. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Mais compte tenu de cette absence de volonté d'y aller des gens qui sont en charge justement de cette réglementation d'échange, le président en a parlé le 18 août. À ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'avancée dans ce domaine. Les Libyens, en venant chez nous, on parlait d'investissement. Je n'ai pas osé le dire. On ne pourra pas investir chez eux parce que la réglementation ne le permet pas. Donc, donnez-nous les outils comme les autres pays. Voyez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas nous en tant que ce sont que les 10 ans. Voyez un peu ce que les autres pays ce qu'ils font. Inspirez-vous des exemples qui ont réussi et donnez-nous les mêmes moyens à l'entreprise d'aller chercher et conquérir des marchés, à l'État, de faciliter cet acte, de le soutenir et de l'encourager. Alors qu'il y a des milliards à prendre dans la reconstruction de la Libye aujourd'hui, et tous les États et tous les pays se bagarrent les montants faramineux laissés par le feu Kadhafi dans les caisses libyennes pour la reconstruction de ce pays. Alors moi je voudrais revenir avec vous aussi sur un aspect, M. Ali Benassri, externaliser les entreprises, la priorité c'est pour l'Afrique. Pour négliger les autres continents, où il faut quand même être présent dans d'autres marchés, parce que le marché de consommation par excellence, c'est le marché européen. Absolument. Je pense que l'internationalisation des entreprises revient en fait à l'opérateur. L'opérateur, il est bien, il y a des opérateurs qui sont bien sur le marché canadien, marché américain, il y a d'autres qui le sont un peu plus en Afrique, et d'autres le sont un peu plus peut-être ailleurs. Mais donc suivre et accompagner, faciliter. Arrêtons
de travailler par des autorisations, par des réunions, par des comités, libérer l'Algérien avec un seul souci. Pour l'État, je vous donne un dollar, je veux plus. Partageons la valeur ajoutée. Obligation de résultat. Donnons de la confiance. Arrêtons de nous. Nous sommes, en quelque sorte, dans un immobilisme qui nous est dû, qui est beaucoup plus mental qu'autre chose. Donc, libérons les opérateurs, pas d'autorisation, donnez-nous un business plan, comme tous les pays du monde. On vous donne de l'argent. À partir du moment où vous émargez sur le budget de l'État, sur les réserves de change, vous avez le droit d'exiger un business plan sur la fiabilité de votre projet. Un, pour les opérateurs qui disposent de leur compte devise et qui initient à la libre discrétion, qu'ils en disposent sans autorisation aucune. Parce que c'est cette façon de faire qui fait donc figer le développement des exportations algériennes. Et si nous, on n'y va pas, d'autres le feront à notre place, je l'ai déjà dit ici même. Donc, maintenant, le temps ne sait compter. Nous attendons justement la formation de ce gouvernement. Nous souhaitons que les personnes en charge du commerce, et notamment du commerce extérieur, de l'export, soient des gens efficaces et compétents. Alors, on parle aujourd'hui, par exemple, des quantités qu'on pourrait mettre à l'exportation. On a beaucoup de potentialités, on a beaucoup de gisements. Certains sont inexplorés. Est-ce qu'on pourrait aussi penser qu'il va falloir aussi régler un autre aspect qui est extrêmement important pour l'exportation? Tout ce qui est lié à la logistique, notamment le transport ou le fret maritime, puisque nous payons les armateurs étrangers l'équivalent de 6 milliards de dollars. C'est le chiffre qui a été donné il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de 4 milliards de dollars. Et les prix ont doublé pratiquement pendant cette période de pandémie. Monsieur Ali Bey Nasri, on vient de recevoir quelques bateaux destinés justement au fret maritime. Mais c'est vrai qu'actuellement, nous avons beaucoup de difficultés, notamment... Les prix ont triplé. À cela s'ajoutent donc les nouvelles dispositions concernant les ports sexes qui a donc entraîné un encombrement au niveau des ports, notamment au niveau de l'exportation. Nous avons donc des conteneurs qui attendent depuis 18 jours d'être embarqués. Nous savons aussi autre chose que la logistique. Ce qu'il faut retenir, et je salue donc l'initiative donc du groupe Serpent, c'est d'avoir mis en place une plateforme numérique. C'est ce dont on a besoin, justement, c'est d'être la rapidité et la fluidité. Donc, je pense qu'avec cette mesure-là, l'indice de performance logistique va être amélioré. Ça, c'est ce qu'on attendait, c'est mis en place, c'est bon. On a besoin d'actes sur le terrain, ça vient nous encourager. Concernant la fluidité terrestre, malheureusement, avec le Covid, nous actuellement, nous avons des problèmes notamment sur la frontière malienne, notamment avec surtout malienne, parce qu'il y a des problèmes donc d'autorité, de zoning et tout, et les exportateurs ont quelquefois des arrêts de 4-6 jours d'une semaine au niveau donc de Borj Badji Mokhtar pour aller vers la frontière. Il y a aussi le PK0. Le PK0 parce qu'il y a question de Covid. Mais allons sur un pass sanitaire. Faisons en sorte que les chauffeurs ou les gens en charge justement du transport de marchandises aient un passeport sanitaire, c'est-à-dire qu'ils soient vaccinés, qu'ils aient un test spécial et qu'ils puissent continuer leur route. Ça, c'est extrêmement important. Et au retour, aussi, au retour, c'est des gens vaccinés, c'est des gens donc qui sont sous contrôle PCR, mais il faut qu'il y ait cette fluidité. Le PK0, c'est une avancée, mais nettement insuffisante. Elle ne permet pas justement... Avec la frontière terrestre, ça nous permet donc de faire pratiquement du porte-à-porte. Donc, on a coupé cette relation, ça nous crée des problèmes, ça crée des surcoûts, ça crée des ruptures, parce qu'il faut décharger au PK0 et faire donc une reprise de l'autre côté. Ce n'est pas évident, ça nous cause actuellement beaucoup de problèmes. Alors, dans l'opérationnel, c'est ça, la logistique. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont, par le ministère de Transport, qui sont prises, notamment pour le terrestre, mais avec les problèmes du PK0. Nous avons aussi, donc, avec le fret maritime, l'acquisition de nouveaux navires. Ça, c'est excellent. Nous sommes en train de construire... Il faut ouvrir de nouvelles lignes maritimes. Mais nouvelles lignes maritimes. Nouvelles lignes, absolument, il faut l'ouvrir. Nous sommes on parlait d'une éventualité d'aller vers une entreprise privée ou privée-publique aérienne destinée au fret. C'est important. Je pense que l'activité aérienne a été libérée. Donc, il ne faut plus revenir à partenaire. Laissons l'initiative au secteur privé. Laissons les gens
les entreprises investir. Le président du CAPSI a parlé justement de l'inaction du CNI pendant, c'est inadmissible. Il y a des projets qui sont actuellement là. Les entreprises sont dans l'obligation de fractionner leur investissement pour ne pas atteindre un certain bas. Donc, là, c'est ce qui nous manque, c'est la liberté accordée aux entreprises algériennes. Le fret nous coûte énormément cher. Oui, le fret. Parce qu'on passe par les armateurs étrangers qui ont à leur avantage les 6 milliards de dollars de transport. Et ça a doublé ou triplé pendant cette période de Covid. C'est la raison pour laquelle, pour certains produits, il y a eu des répercussions sur leur prix. Oui, il y a des dispositions qui ont été prises par l'État, justement. On a avancé le chiffre donc, de 6 milliards de dollars de transfert sur le fret maritime. Mais ça, c'est la bonne nous revient, parce qu'on a cassé donc, une compagnie maritime qui existait, qui était à la CNAN, et maintenant on est en train de faire de nouvelles acquisitions. C'est excellent, ça nous permet d'abord d'être compétitif, d'être rapide et réactif sur les marchés, notamment à l'export, et ça permet au pays donc de gagner. Et les 90% des armateurs sont français aussi, il faut le dire. Monsieur Ali Bey Nasri, alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on verrouille l'exportation parce qu'on va prendre de la devise, parce qu'on va travailler avec de la devise, mais l'importation c'est de la devise aussi, monsieur Ali Bey Nasri. C'est la devise dans quel sens? C'est de la devise, l'importation. C'est de la sortie de la devise. C'est ça. Oui, mais... C'est-à-dire, on permet la sortie de la devise pour les importations, mais on ne permet pas la sortie de la devise pour les exportations. C'est la question de l'auditeur, M. Ali Bey Nasri. C'est ça la contradiction qui existe. Mais c'est tout le combat qu'on est en train de... Cette dichotomie. Mais exactement, c'est tout ce combat qu'on est en train de mener contre la réglementation. On ne vise personne, mais en tout état de cause. On a mis beaucoup d'espoir sur le président de la République pour qu'il actionne, pour qu'il secoue cette forteresse, j'ai appelé cette forteresse. Mais je ne sais pas si c'est le plan de charge ou la situation qui a fait qu'on le va. Mais je pense que maintenant, on n'a plus le droit. La nouvelle équipe gouvernementale doit être une équipe, comme je disais, comme on a mis en place le CRUA avant 54, c'était un comité révolutionnaire pour l'unité de l'action. On a besoin de gouvernement pour l'unité et l'action, tout simplement. Donc, l'unité, donc il y a donc un PM, on a besoin d'un PM sur le terrain, on a besoin d'entendre, qu'ils nous entendent. Il n'y a jamais de réunion entre le PM et les exportateurs. Jamais. On a, c'est vrai, des réunions très proches avec le ministre du Commerce, mais il doit être le ministre du Commerce, il a beau, donc, agir, mener des actions sur le terrain, mais je regrette de le dire, sur l'avancée en termes d'exportation, en termes de réglementation, toutes les contraintes signalées sont encore en vigueur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, maintenant nous avons du potentiel exportable, dont notamment certaines entreprises qui ont montré leur efficacité en Algérie, qui peuvent aussi s'externaliser pour leur permettre aussi d'ouvrir, par exemple, des représentations à l'international. Ça, c'est quasiment aussi interdit par la réglementation de change. Mmh. C'est le cas des entreprises d'ingénierie créative et des systèmes de valorisation. Monsieur Ali Bey Nasri. Moi, ce que je déplore, c'est que il y a un ministère des startups. Et le communiqué du 28 a pris en charge l'aspect justement de l'exportation des services. Tout le monde a signalé que c'était éminemment positif. Les services ont importé pour l'équivalent de 15 milliards de dollars. On est actuellement dans la courbe des 13 ou 12 milliards de dollars. Ça a été réduit parce que l'essentiel c'est l'assistance technique et c'est le problème. Donc l'assistance technique dans notamment donc la construction. Mais ça reste quand même élevé. On est à... Nous sommes ce pays déficitaire en matière de services. Nous avons un déficit estimé à 8 milliards de dollars an entre les exportations et les importations de services. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais dire à cet auditeur donc, qui a posé des questions sur l'externalisation, rien ne s'oppose à l'externalisation. Si ce n'est une réglementation d'échange qu'on ne veut pas changer. Tout simplement, les gens en charge ne voient pas, ils sont sur le règlement 1404, et depuis le règlement 1404, c'est depuis donc 2014 qui a été pondu, et qui a pratiquement donné un coup d'arrêt, justement, à l'externalisation des entreprises algériennes. Donc, depuis 2014 à ce jour,
rien n'a été fait. On a demandé à ce pourtant, que... Pourtant, on a vu Sonel Guel se déployer en Libye. Elle a réalisé un travail extraordinaire. Ça, c'est des relations d'État à État, mais on pourrait le faire avec autre entreprise. Si ce n'était pas pris en charge politiquement, on n'aurait pas le président de la République. Oui, c'était beaucoup plus. Donc, si c'était donc une action, une initiative de gagner de l'argent par son engagement, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu le faire parce qu'il n'aurait même pas des frais de mission pour la durée qu'ils ont par passé. Par rapport à cette réglementation 1404. Alors, qu'attendons ? Je pense, je suis positif, je suis optimiste. Je compte Vous l'avez sur, toujours été. Oui, je compte sur cette nouvelle équipe gouvernementale. Je compte et j'espère le président de la République qu'il y ait à ses côtés un conseiller à l'export, même si c'est une entreprise publique très versée dans l'exportation, qu'il y ait un conseiller à l'exportation qui puisse conseiller, donc sur l'autorité du président de la République, donner et réagir à chaque cas soulevé. Déjà, lever cette contrainte cette disposition du 14-04 de 2014, monsieur Ali Bey Nasri, qui a verrouillé carrément l'externalisation des entreprises algériennes. C'est facile, hein, c'est une... Pourquoi vous n'invitez pas les gens de la Banque d'Algérie, madame? Ils ne répondent pas. Alors, il faut débureaucratiser l'acte d'exporter qui doit faire partie d'une politique nationale économique soutenue avec des actes par l'État. C'est-à-dire que l'État débureaucratise, on commence déjà par supprimer cette directive de 1404. Bien sûr. 2014. Il y a l'acte d'exportation. Les gens qui l'ont fait ne sont plus là, ils sont même en prison. Exactement. Donc, l'acte d'exportation, c'est un acte, donc, je vous ai dit, c'est une fonction transversale. Il y a des institutions qui avancent. Je sais ce qu'est les cas des douanes. Nous n'avons pas de contraintes en matière de fluidité de transit. C'est-à-dire que la douane gère d'une manière très rapide les opérations. Il y a une très forte conscience dans ce sens. Il y a d'autres institutions. La logistique, elle est ce qu'elle est, il faut la construire. Nous avons des ports qui sont obsolètes. Le délai de déchargement d'un conteneur et ou de chargement d'un conteneur, ça met beaucoup de temps. Je pense qu'il faut... Et je pense qu'avec la nouvelle plateforme numérique, ça va avancer un peu plus. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a des problèmes. Nous avons des problèmes actuellement dans l'acte d'exportation. Nous avons des problèmes aux frontières. Nous avons des problèmes au niveau de certaines banques. Il n'y a pas de répondants. Il n'y a pas de répondants, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas écoutés. Ils sont écoutés. Le ministère du Commerce est accessible. Mais le ministère du Commerce, il prend acte, il saisit, il prend barre. Ça n'est plus de bon plus de lui. Qui peut donc prendre efficacement, si ce n'est donc une autorité placée donc sous l'égide du président de la République. Aujourd'hui, on parle par exemple des accords internationaux qu'on va devoir réviser. Pour certains, on va adhérer à l'ASLECAP. Il faut se préparer maintenant parce que certains pays vont le balayer sinon. Mais absolument. En Afrique, par exemple. Mais pour l'ASLECAP. Mais on a un plus grand concurrent sur le continent africain, c'est déjà la Chine, monsieur Ali Bey Nasri. Bien sûr, nous avons la Chine et la Turquie aussi. Donc, la Turquie qui est même chez nous. Hein. Il faut mettre tous les produits chinois sont chez nous. Il faut, faut mettre en place la ZECAF. Il faut mettre en place une vision africaine de l'Algérie. Une vision africaine, elle doit être totale. Elle doit être. Il faut une stratégie, une vision. Une bien vision. Définie. Quelle serait donc la pénétration des produits algériens, des entreprises algériennes, des banques algériennes dans les services? Quelle serait notre politique vis-à-vis de ça? Quel est l'espace qu'on peut viser? Quels sont les pays qu'on doit viser? Comment on va y aller? Cette vision, bien sûr, unique, toute vision cette unique. Vision, je pense que toute cette vision, elle est à construire. Ce n'est pas un acte. L'ASLECAP, ce n'est pas un accord donc, de vente et d'achat de biens. Il y a les affaires étrangères qui travaillent sur le dossier. Nous avons salué l'initiative du ministère des Affaires étrangères. Ils ont été très efficaces dans le sens où il y a cette diplomatie nouvellement née. Tout de suite, ils ont été sur un forum. Il y a cette efficacité donc légendaire donc des gens des AE, leur sérieux, leurs compétences, ça nous a été utile, ça nous a permis donc en forum, je pense que c'est une initiative encouragée par les autres secteurs. Alors vous avez cette dernière question de l'auditeur qui vous dit la logistique en Algérie est malade à cause des décisions irréfléchies avec des délais de débarquement trop longs car les ports sont saturés. Monsieur Ali Bey Nasri, vous l'avez soulevé puisqu'on a fermé les ports secs. On a fermé les ports secs, moi je parle en tant qu'opérateur. Je pointe politiquement, je déploie parce qu'il n'y a pas eu d'alternative. Du jour au lendemain, on ferme les ports secs, je pense qu'il fallait faire une alternative, donc une période transitoire, pour justement ne pas aggraver les surcoûts de devises.
pour améliorer. Mais il va y avoir les surinstallés parce que les sports sont saturés. Mais c'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est un effet yo-yo. Monsieur Ali Bey Nasri, oui, rapidement. On attend d'une nouvelle équipe gouvernementale et on attend du président de la République qu'il y ait un conseiller export à ses côtés pour balayer toutes les entraves immédiatement. Monsieur Ali Bey Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. À vous.